regardez l'invité de la rédaction sur Medi1 et merci de nous rester fidèles. En Afrique de l'Ouest et centrale, les femmes représentent environ 10% de l'industrie cinématographique, comme le révèle une étude de l'UNESCO parue en 2021. Cette donnée soulève des interrogations cruciales quant à la position et à l'évolution des femmes africaines au sein de cette industrie hautement concurrentielle. Pour apporter un éclairage d'expert sur ces enjeux, nous avons le privilège de recevoir Madame Chloé Hortolé, productrice et fondatrice de Tangerine Productions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Madame Hortolé, en tant qu'actrice de la scène cinématographique africaine, comment percevez-vous la position de cette femme dans cette sphère sur le continent, notamment au Sénégal ? Alors je trouve que vous avez parlé d'un chiffre qui est assez alarmant, de 10% de femmes qui travaillent dans l'industrie cinématographique. Alors effectivement, c'est un chiffre alarmant dans beaucoup de pays, mais au Sénégal, quand même, on a beaucoup de femmes qui travaillent dans cette industrie, à la fois côté technique, on a de plus en plus de réalisatrices aussi, et on commence à avoir de plus en plus de productrices. On n'est pas à un niveau qui est encore impressionnant, et on n'est pas du tout à du 50-50, mais comparé à d'autres pays africains, on est quand même en avance. Selon vous, quel facteur explique ce faible taux de représentation ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le premier facteur qui est le facteur qu'il y a à peu près dans tous les pays, c'est-à-dire que les personnes décisionnaires sont principalement des hommes. C'est ce qu'on appelle un peu le principe du boys club, c'est-à-dire que souvent les hommes donnent de l'argent aux hommes. Donc on se retrouve souvent avec peu d'argent en tant que femme. Et il y a aussi également la question de la légitimité, où beaucoup de femmes ne se sentent pas légitimes de pouvoir prendre cette position-là, que c'est vu comme un métier qui n'est pas sérieux, et qu'il faut avoir aussi une bonne confiance en soi pour pouvoir endosser, pour pouvoir se dire qu'on va aller dans cette voie-là. Et il y a aussi plein de facteurs culturels, la manière dont on est construite aussi en tant que femme qui ne nous permet pas de prendre tant de risques que ça de ce côté-là. Dans le secteur cinématographique, quels postes ou rôles sont plus fréquemment occupés par les femmes et qu'est-ce qui, de votre point de vue, motive ces choix ? Alors, on a des postes, mais dans tout le monde c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a des postes effectivement qui sont traditionnellement un peu alloués aux femmes, qui sont sans surprise les postes de maquilleuse, coiffeuse, les postes de costumière, les postes de déco de temps en temps, mais même en décor on a beaucoup d'hommes. On a dans la production, c'est-à-dire dans l'organisation, il y a beaucoup de femmes. Donc c'est un peu les postes sur lesquels on va avoir le plus de femmes. Mais sinon, tout le reste, et surtout les postes techniques, sont beaucoup occupés par des hommes. Madame Hortolé, à présent, comment les préjugés de genre impactent-ils les opportunités professionnelles des femmes dans le cinéma africain ? Déjà, dans les préjugés de genre, il est difficile d'être pris au sérieux quand on est une femme, d'autant plus quand on est une jeune femme. Et quand, comme je le disais tout à l'heure, quand on a des décisionnaires qui sont principalement des hommes. Donc en fait, c'est très compliqué, par exemple, de s'imposer en tant que femme dans ce milieu-là. Et on parlait de métiers techniques tout à l'heure et aussi de métiers logistiques comme la régie, où il y a très peu de femmes qui sont dans ces métiers-là, puisque ce sont des métiers qui sont considérés comme ou scientifiques ou des métiers dans lesquels on va porter des choses lourdes. Et comme dans les préjugés de genre, on dit que les femmes ne peuvent pas gérer ce genre de choses ou ne savent pas se gérer non plus, on souffre beaucoup de ces préjugés-là. En tant que productrice et fondatrice de votre propre maison de production, qu'est-ce qui a motivé votre décision de prendre cette voie entrepreneuriale dans le cinéma ? Alors moi, j'ai toujours voulu faire ma propre boîte de production, enfin en tout cas produire, promouvoir le cinéma qui me plaisait. Donc pour moi, ça n'a pas vraiment été une question, mais je me suis vite... j'ai dû faire face à beaucoup de défis en tant que femme aussi qui m'ont ramené un petit peu à la réalité, mais en tout cas j'ai jamais eu peur d'entreprendre des choses. Donc, et ce qui m'a amené surtout, c'est la passion du cinéma. Je suis passionnée de cinéma depuis que j'ai 12 ans. Et l'envie de montrer un cinéma qui soit inclusif, qui soit populaire aussi et qui soit exigeant. Et je trouve que c'est rare de voir ce type de cinéma. Au sein de votre entreprise, pourquoi avoir opté pour une équipe entièrement paritaire et quel en est le fondement ?
Alors, en plus d'être productrice, j'organise aussi un événement qui s'appelle la Kimpa Vita, qui est un événement féministe et éco-responsable. Donc, j'ai vraiment dans mon ADN une partie engagée. Donc, pour moi, il est impossible de créer une entreprise sans avoir cette dimension engagée-là. Donc, à la fois, comme vous le disiez, pour qu'il y ait plus de femmes dans les équipes de cinéma, à plusieurs types de travaux différents. Et surtout, il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est que souvent les femmes sont à des postes d'assistanat et rarement à des postes de chef de poste. Donc pour moi, il est important de rebalancer la tendance et d'avoir une vraie parité, puisque je pense que plus on est paritaire, plus on est riche aussi d'expérience et d'expertise. Votre société investit 5 à 10% des bénéfices dans la réalisation et la distribution de films de cinéastes africains. Quelle part est dédiée spécifiquement aux projets dirigés par des femmes dans cette démarche ? 50%. Moi, j'ai toujours cette politique de 50%. Après, il n'est en aucun cas l'idée ici d'exclure les hommes, par exemple. Pour moi, en fait, plus on arrive à une parité et une égalité, plus on arrive à juste, au moins, une juste représentation de la société, puisqu'il y a quand même 50% du monde qui sont des femmes. Donc, c'est pas normal que cette parité-là ne soit pas reflétée dans tous les aspects de la société. Donc, pour moi, c'est pareil pour la réalisation des films, c'est pareil aussi pour les personnages des films, de mettre à la fois en valeur des personnages féminin mais aussi masculin. Madame Ortolet, dans le cadre de vos activités, quelle importance accordez-vous à la formation des femmes dans les domaines de l'audiovisuel et des métiers cinématographiques ? Pour moi, elle est cruciale. Elle est cruciale aussi pour changer la donne. Et aussi, on a souvent l'impression que le cinéma et les métiers de l'audiovisuel sont un métier à risque et qu'il y a peu d'argent. Or, en fait, les techniciens vous le diront plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de tournages qui arrivent au Sénégal, et c'est vraiment un métier d'avenir. Et c'est vraiment un métier dans lequel il y a des possibilités de gagner de l'argent. Donc, il est important aussi pour que les femmes puissent s'autonomiser, qu'elles puissent apprendre un métier qui leur permette de faire rentrer de l'argent dans les caisses, tout simplement. Donc, oui, pour moi, il est important de former surtout les femmes à des métiers techniques auxquels elles ne sont pas habituées à être formées. Vous faites également la promotion de l'éco-responsabilité dans l'industrie cinématographique. Comment votre structure intègre-t-elle ces préoccupations pour minimiser l'impact environnemental de vos productions ? Alors, chez Tangerine, on est la première société de production éco-responsable d'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut savoir que le secteur cinématographique produit plus de 1,7 million de tonnes de CO2 par an. Donc, c'est un secteur qui est extrêmement polluant et qui consomme énormément, mais en plus qui produit énormément de déchets. Donc moi, il y a un tournage sur lequel j'ai été en production exécutive, c'est-à-dire que j'ai organisé tout le tournage pour une très très grosse production internationale. Et quand j'ai vu le nombre de déchets qu'on produisait et qu'on jetait partout, je me suis dit que c'était pas possible de continuer comme ça. Donc on a mis en place avec Souba, qui est un collectif pour la transition écologique ici au Sénégal, à des tournages éco-responsables. Donc on a travaillé pour Chanel en décembre dernier et on a mis en place le premier tournage éco-responsable en essayant d'avoir le moins de... On n'a aucune bouteille plastique, par exemple. Tous nos prestataires sont formés, nos équipes sont formées. On a aussi des partenariats avec des acteurs internationaux, des co-responsabilités vraiment sur les tournages. Et donc, pour avoir un cercle vertueux et petit à petit changer nos habitudes autour de l'industrie cinématographique. Envisageant l'avenir de l'industrie cinématographique africaine en termes d'égalité des sexes, quelles perspectives discernez-vous et quelles mesures concrètes pourraient être prises pour réaliser ces objectifs ? Je pense que déjà au sein de la direction de la cinématographie, enfin, au sein des personnes décisionnaires, il serait intéressant d'avoir, en tout cas moi j'y crois, une thématique un peu de quota. Enfin, c'est-à-dire de ne pas donner déjà tout le temps aux mêmes personnes, de donner leur chance à la fois aux jeunes, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais les jeunes ont plus de mal à monter leurs films que les personnes plus chevronnées, et surtout de donner leur chance aux femmes réalisatrices, aux femmes productrices qui sont sur le continent et pour lesquelles c'est plus difficile. Merci Madame Ortolet pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes productrice et fondatrice de Tangerine Productions. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.